me manque beaucoup trop, Blédarman. Je veux qu'il revienne. N'empêche, vous auriez pu me trouver un meilleur nom que Badjoumi. Mais on s'en fout de toi, donc tu feras avec. Bref, revenons-en à la vidéo. Bonjour à toutes et à toutes, très chers Pokézélèves. Aujourd'hui, on va parler de la nutrition dans Pokémon. Ou la nourriture, si vous préférez. Déjà, commençons par le commencement. Il n'y a pas que des baies à manger dans Pokémon. Et pour avoir des vitamines dans Pokémon, il y a naturellement les baies, qui peuvent être comparées à des fruits dans le vrai monde. Exemple, la baie fraise, il peut être comparée à une fraise. La baie pêcha, une pêche. Donc la baie pêcha est une source de vitamine E, de vitamine B3, de vitamine C. Bah, vous pouvez dire merci à Wikipédia pour toutes ces informations. Non, j'ai découvert ça sur Passeport Santé. Ah, ça change tout. Il n'y a pas tous les aliments du monde réel dans le monde des Pokémon. Donc pour avoir du fer, il faut prendre du fer. Et oui, même les humains peuvent en prendre. Et pour avoir des protéines, on peut prendre des protéines. Ou on peut prendre du... Je vais te le faire, ton revisité de steak. Viens là, Taurus. Voilà mon revisité du Taurus de Château. Accompagné de son lit d'ananas. C'est moche, y'a pas d'histoire. En plus, on ne peut pas manger du Taurus. Mais je vais vous les faire bouffer vos histoires. En mettre à point. Et oui, pour avoir des protéines, on est parfois obligé de manger de la viande de Pokémon. Comme le Taurus ou le Galopa. Hello les jeunes! Aujourd'hui, on va vous présenter un documentaire avec mon allié Nourjdun34. Ce documentaire est tout public et on va parler du Mongol Banane. Le Mongol Banane est un croisement entre un hydromys et une banane. C'est logique. Et oui, il est de la même espèce que le Mongol aquavolcanique, Mongol transition des carottes. Le Mongol transition des carottes, on peut abréger par Mongol TDC. Nous ne verrons pas cette blague, qui est de fort mauvais goût. C'était un documentaire qui défonce, wesh! Présenté par Nourjdun et Boulibou. Et si vous voulez retrouver ces super documentaires, rendez-vous sur... Ah ouais, mais en fait, on m'a pas préparé texte à moi. Pouf, en fait, je sers à rien dans cette émission. Très chers Français et Hollandais, rassurez-vous, on peut avoir du fromage dans Pokémon grâce au lait meumeux. Eh oui, car le lait meumeux contient du calcium. Donc, on peut remercier les écrémeux. Bah, François Hollande n'aime pas le fromage. Achevez-moi. Je veux que Blédarman revienne, j'en peux plus de lui. J'en peux plus de celui-là. Cette vidéo est terminée. Donc la prochaine fois, on va parler de Call of Duty, Call of Duty, Facebook, Facebook, Call of Duty, Facebook. Ou la constipation, ça me dérangerait pas. Bah, on va parler de... En fait, j'en sais rien, puis vous le saurez la prochaine fois, allez. Ciao!